Là. Et bonjour à tous, Melascar, on se retrouve aujourd'hui avec Ménard, votre humble serviteur. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vous propose? It's a new day, comme dirait Nina Simone. Aujourd'hui, je vous propose l'excellent druide de Mithy. Alors, le druide de Mithy, il est ok. Comme tous les druides en ce moment, ils sont ok, donc ça passe, ça a du win rate positif, mais c'est ultra high roll. Il faut savoir que c'est ultra high roll. Si ça sort bien, vous pouvez faire ultra mal, notamment avec Dame Anacondra, qui est hyper importante dans les matchs. Je vais vous le proposer, je vais vous l'expliquer, parce que ces temps-ci, je me suis intéressé aux druides. On a beaucoup rigolé en stream d'ailleurs, c'était très marrant. J'ai joué la version de Jambre pendant un bon moment. La version de Jambre, je vous la proposerai dans le top 3 deck de ce mois qui va sortir d'ici demain ou après-demain maximum. Il est un petit peu tard, mais je vais quand même vous proposer ça. Parce que la méta a changé beaucoup avec les nerfs, évidemment, avec la pseudo-disparition du prêtre. Même si le prêtre est en train, sachez-le, méfiez-vous, le prêtre est en train de comeback en top 500. Hein. On le revoit de nouveau, donc méfiez-vous. Ici, donc ça veut dire que si ça comeback en top 500, demain ou le surlendemain, vous l'avez dans les rangs inférieurs. Un petit peu inférieur, on va dire plutôt. Donc voilà, ça reste un peu la base. Grosso merdo, l'idée c'est quoi? C'est de faire Dame Anacondra, germination, et ensuite vos sorts sont gratuits et vous videz votre main et vous cassez la baraque. C'est plutôt mignon. Je vais vous montrer comment ça se passe. Le petit druide tub, je l'ai appelé puisqu'il s'agit de Dame Anacondra, évidemment. J'ai 12 ans d'âge mental pour cette blague, sans aucun doute. Petit, évidemment, on est quelle heure là? 12h17, donc petit shaker de protéines. Oh, quel délice! Oh, c'est bon! Oh, de l'eau avec de la poudre de viande. Y'a rien de meilleur le matin, vraiment. Ça requinque un homme. Bon, j'ai petit déjeuner, mais je peux pas mettre du lait entier dans un shaker de protéines. Alors que je viens de me lever, je viens de déjeuner, tu vois, je suis vraiment, tu vois, genre en train de démarrer, quoi. À l'aise, fieu, tranquille. Une petite tueuse de la nuit. Voilà qui est très intéressant. Tueuse de la nuit. Luxuriance en main de départ, c'est bien. Donc T2, T3, c'est très bien. On a un de la Forex. On va pas garder ça. On cherche une deuxième Luxuriance parce qu'on est des animaux sauvages. On a une bourse. Moi, j'aime bien faire bourse T1. Ouh, nourriche et tout. J'avais même pas fait gaffe qu'il y avait nourriche dans le deck. Ok. Ouais, ce sera pas vraiment utile du coup de faire bourse là. Parce que je vais faire 2, 3. 6, 8, ouais, je pense que bourse, il vaut mieux le garder. Après, je vais quand même le faire, en vrai, on va quand même le faire pour trouver une petite floraison. Alors ça, c'est le grand truc, hein. Bourse ajustable T1 qui vous donne floraison, c'est débile. Genre, le druide a pas assez d'accélération, tu vois, c'est un peu difficile pour le druide, tu comprends? Bah, évidemment, j'aurais quand même pu le faire avec floraison, mais bon, c'est pas très intéressant, je vais pas vous mentir. On va faire du coup coin. On n'aura pas pu piocher avec juste coup, c'est bien joué. S'il peut, il doit le remonter, le reposer, c'est le bon choix en général. Ouais, il va le faire, c'est bien. Ah, il a raison. C'est très fort, bien joué. Il le sait. Il sait comment jouer, c'est bien ce qu'il fait. En vrai, c'est bien, il y a peu de joueurs qui font ça, surtout à ce niveau-là, c'est très étonnant de voir ça. Mais il a tout à fait raison, c'est comme ça qu'il faut jouer. On va mettre supérieur, on espère chatter un petit peu. Bon, ça nous retarde, hein, c'est bien, il a bien raison. Franchement, c'est comme ça qu'il faut jouer Hearthstone, c'est très très bien. Il sait ce que je joue, il sait qu'il doit remonter ça. Après, le truc, c'est qu'en fait, faire un pas de l'ombre là-dessus, oui, ça me ralentit. Mais là, en fait, il aurait fallu qu'il ait un autre body costaud à côté, tu vois. Là, il a juste ça, c'est un peu light. Ah, il joue ça, putain, l'enculé. Ah, il va être casse-couille, lui, hein. Il va être chiant, celui-là. J'ai pas de blast. Ouais, il est chiant. C'est bien. On va se faire un peu casser la gueule. Heureusement, ça, c'est très lent. Alors, il aura beaucoup de secrets, beaucoup de counterspells, etc. Mais on va pouvoir check les counterspells assez facilement. Deuxième luxuriance derrière. Et on va lui envoyer double T8. On va juste check le counterspell avec la pièce. Et ensuite, bon, voilà. Là, il va se mettre plein de secrets. Ça sert à rien de vouloir l'empêcher. On pourra pas l'empêcher. Vous emmerdez pas. Franchement, vous prenez pas le chou. C'est bien, on va passer T10 du coup, T7, on passe à 9 et 10 naturellement. Du coup, on fera coin, éclipse solaire et protection scénarienne. Et il devrait prendre assez chéro. Alors, le problème, c'est qu'il va souvent essayer de prendre des... Regardez, il a déjà pris un secret de Hun, donc souvent un givrant. Il faudra faire attention à ce qu'on va remonter. On se fait un peu casser la gueule, hein, malheureusement, mais on va gagner 16 d'armure, pas de panique. Il a pas mis de secret. Ah, il a mis un secret de paladin, ça peut être le counterspell, malheureusement. Ça peut être le counterspell, hein. Là, si on prend counterspell, on est deg. Ok, on va check avec ça, malheureusement. C'est cher, hein, c'est très cher. Oh, je pourrais déjà faire double T8 si je veux le refroidir tout de suite. C'est peut-être le poney qu'il a pris.
Je sais pas si je m'accélère pour être tranquille. Je pense que je vais faire double T8 tout de suite. Hop. Alors attention, malheureusement ici, il a certainement chaté. Bon, moi comme d'habitude, j'ai les deux pires T8 du jeu. Hein. Ça c'est classique en stream, j'ai eu que de la merde en T8. Alors les T8, si vous vous demandez, on a fait les comptes en stream. Vous avez une chance sur deux d'avoir un bon T8 et une chance sur deux d'avoir un T8 de merde. C'est à peu près, vous avez un peu plus d'une chance sur deux d'avoir un bon truc qu'un mauvais truc, d'accord ? Et parmi les mauvais trucs, il y a les catastrophiques et il y en a où ça va, tu vois. Il y a par exemple une 12-12 qui peut pas les face, mais au moins elle fait des trades on board, ça va, tu vois. La 8-1 étant la pire que vous puissiez avoir. La 8-1, c'est vraiment la pire du pire. Non, Aerial va pas servir à grand chose. Notez qu'on pourra s'en servir quand on aura... ne contient aucune carte neutre. Peut-être que j'ai aucune carte neutre déjà. Ouais, j'ai aucune carte neutre. Hein. Nickel. Ouais, j'ai aucune carte neutre. Du coup, je vais pouvoir taper. Si elle remonte, bah, je lui fous dans la gueule en fait. Hein. Je lui foutrai dans la gueule sur le T10, ça me va. Et ça me healera. Bon, il est... ça c'est chiant. Hein. C'est hyper désagréable, hein. Évidemment. Les secrets, la mécanique, c'est pas un mystère. C'est vraiment une purge. La mécanique secret, c'est vraiment une putain de purge. C'est un truc de fou. Après, là, on va piocher du coup. Peut-être que je vais check le counterspell avec ça. Non, peut-être que je check avec ça et je pioche avec ça, du coup. Ouais, c'est le mieux, je pense. Et il trade quand même. C'est bizarre, ça. Oh là là, c'est cher. Oh, l'erreur. Oh là, par contre, il me déçoit beaucoup, l'adversaire. Bon, du coup, ici, on va check avec ça, le counterspell. Ok, donc c'est juste la petite magouille. Pas très grave, du coup, hein, c'est pas grave. Ça m'arrange pas, mais ça va. C'était quoi le sort? C'était un truc à 2, donc je vais prendre supérieur. On voudrait les germinations pour Dame Anaconda. Yes. Ok. Est-ce que je m'accélère? Alors ça vaut plus vraiment le coup, hein. Ça vaut plus vraiment le coup, malheureusement. La banane est cool, on pourra check les counterspells. Et en fait, là, il a fait une erreur, parce que du coup, il me met plus du tout de pression. Il me met plus de pression, je suis bien, là. Ouais, je pense que je vais m'accélérer, ce sera fait. Même pour vider la main, on va dire, surtout. Ici, je vais piocher au prochain tour. On pourra check le counterspell avec banane, donc ça, c'est une bonne nouvelle. S'il met rien de counterspellant, on pourrait déjà faire une Dame Anaconda. Donc encore un secret de brin. Ah, il va nous casser les couilles. Hein. Tant qu'on tue pas ça, il va nous saouler. Il va être hyper relou, regardez-le. Au final, vous voyez, c'est bien en fait, c'est chiant. Mais ça met très peu de pression en réalité, vous voyez. C'est ça le problème des secrets. C'est que bah c'est chiant, ouais, mais pendant ce temps-là, moi je fais tous mes plays. Tandis qu'à la place de ça, il m'aurait fait des Kazakus, tu vois, des trucs comme ça, j'aurais pas été bien. Bon, là, malheureusement, les secrets, hein, paladin, toujours, hein, les meilleurs. On est obligé de check. Let's go. On peut pas prendre un counterspell là-dessus. Voilà, ça, on le savait. Il a hit son counterspell. Nous, ici, on va piocher 3 cartes. Qu'est-ce qui s'est encore passé, là? Ah oui, d'accord, ça m'a donné ça, en fait, d'accord. Ok. Notez qu'avec ça et ça, je peux tuer ça. Donc je vais pré-shot ça. Ok, on pourra flinguer ça. C'est certainement le truc qui fait revivre. Ce qui est cool, c'est que du coup, on va pouvoir faire Dame Anaconda. Et là, on va l'éclater. Par contre, là, on a vraiment le combo. Je vais pouvoir vous montrer. C'est super intéressant. On l'a pas toujours. Histoire de le calmer. Il nous aura bien cassé les couilles. Hein. Il nous aura bien. On peut le dire. N'ayons pas peur des mots. Il nous aura bien saoulé avec ses. Mais là, il va prendre un tarot, les gars. Il est pas prêt. Je vais vous montrer le combo. Le Wombo combo. On va littéralement vider la main, tout simplement. Et l'adversaire devrait ne pas être prêt, en fait, tout simplement. Voilà. Vous comprendrez bien que ça va faire mal. Alors, ça va faire très très mal. Combien on a de cartes? Ouais, au final, il a bien joué ses secrets. Mais en fait, il s'est enfermé dans ses secrets en mode, ouais, je suis trop bien avec mes secrets, nanan. Sauf qu'en fait, regardez le tour. Là, par contre, il faut tracer. Hein. Là, il faut que je me trace. Espérons ne pas faire d'erreur. Vous mettez Dame Anaconda. Vous checkez le counterspell. Clac, vous pouvez pas vous permettre de le prendre. C'est pas un counterspell. Vous dupliquez une fois. Vous dupliquez deux fois, et là vous avez tous vos sorts gratuits. Et là vous voyez, ça part en couille. Hein. Et là ça part en couille. On va piocher trois cartes. Notez que ça c'est pas un sort de nature malheureusement. Et vous voyez, tous ces trucs là, vous les avez gratuits. Hop, hop, hop. On voit qu'on peut encore piocher trois cartes, donc on y va. Hop. On cherche le sort à deux évidemment. Voilà, c'est celui-là qu'on cherchait. Donc vous faites ça. Vous faites ça. Là. Là. On sait qu'on a ça, donc... Oh, énorme. Donc on va faire ça. Clac. Voilà, là il va le ranimer à la vie, j'imagine. Du coup, vous faites venger. Voilà. Vous faites les trucs de merde, là. Hop, tac, et voilà. Et là, vous savez que le mec, bah, il est pré-shot, c'est bon. Après, ouais, j'aurais pu mettre ça. Ce sera fait. Il va me le renvoyer, j'imagine.
Hop, on fait ça pour avoir des 4-5. Bon, c'est long malheureusement les animations, hein. Je vous ai dit, il faut jouer vite. Ah, mais lui, il meurt en plus, merde. Ok, givrant, du coup, c'est bon, on va récupérer une 4 de rush. J'ai pas eu le temps de tout faire, vous voyez, il faut vraiment jouer très très vite, hein. Surtout avec la mécanique secret qui est quand même hyper casse-couille. Bon, normalement, je vais pas vous mytho avec ça, il s'en remettra pas, hein. Donc, soyez prêts à jouer vraiment très très rapidement. Voilà, petite 4-2 qui proc quand même, ça fait plaisir. Soyez prêts à jouer très 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 rapidement. On voit qu'on a récupéré ça comme T8, c'est très fort. Les deux T8 là sont bien, les deux premiers que j'ai eu étaient merdiques. Et là en fait, on a vraiment, c'est cool, c'est une belle leçon que nous donne Hearthstone. Bon, il a les assommés quand même apparemment. Mais voilà, tant qu'il reste ça, bah voilà, il peut peut-être en tuer un, peut-être deux, mais il ne tuera pas tous, tu vois. Et moi derrière, j'ai ça qui va snowball à mort, je vais faire tous mes petits sorts gratuits et je vais le rec, tu vois. En fait, il faudrait qu'il tue les deux taunes plus ça, même s'il a le deuxième assommé. Et même comme ça, c'est dur. Ouais, bah c'est pas celui qu'il fallait renvoyer, mec, hein. Il aurait mieux fait de renvoyer celui-là et de tuer celui-là, s'il pouvait. Et vous voyez, en fait, c'est ça. Et là, on voit vraiment... Mais ça, c'est inutile, ça. Ça, c'est vraiment ce que je reproche à mort à ce deck-là, en fait. C'est que, ben, au final, ça ne fait rien. Tu vois, le rock secret, il marche bien. C'est pas un mauvais deck, attention. Hein, faut pas dire des conneries, mais... Mais en fait, il manque un peu... Il te percute pas en fait, tu vois. Et le rock pour moi, ça doit vraiment être tempo. Même si c'est un bon deck, bah regardez, vous voyez. Et il a eu plein de tours avant, hein. Je me suis accéléré, mais j'ai grid, tu vois. J'ai pas fait une super sortie. Il a eu ça 1-4 avec plein de secrets. J'ai pas fait une super sortie. Bah malgré ça, bah je le boxe en fait, hein. Bon, je suis surcharge, du coup, je peux pas jouer ça. Oh, si. En vrai, je vais même pas me faire chier. Hein. Pff, je vais juste mettre ça et je vais l'écraser, hein. On fait 4 et 2 et balèque, hein. C'est quoi, on va check d'abord ici. Comme ça on prend le... Ouais. Ok. Ok. Comme ça on prend la merde tout de suite, c'est pas grave. Et on fait comme ça, tu vois. Hop. Voilà. Là. Là. Ah, tu peux piocher, mon poulet, hein. Tu peux piocher. Et derrière, il me reste Croc d'effroi et un board comme ça pour un rogue. Pff. Pour un rogue. Et regardez comme il est loin, regardez comme il est loin de m'avoir menacé, hein. Je suis plus que full PV, hein. Là j'ai du coup 38 PV, l'adversaire est très très loin du compte là, avec 3 cartes en main alors que j'ai une main pleine. Je peux snowball ça, hein. Je peux snowball ça, on a 3 sorts de nature ici. En sorts qui sont pas nature, bon il y a celui-là mais vous le verrez pas souvent, il y a nuée de luisant et éclipse solaire qui n'est pas... Ah si, éclipse solaire est de nature, c'est éclipse lunaire qui n'est pas de nature, autant pour moi. Petite erreur, ok, donc il me bloque un peu, c'est assez malin. Notez que comme mes sorts coûtent moins 2, ils coûtent quand même moins 2, ah dommage. Et donc là on a l'étal 20 fois, hein. Let's go. Hop. Et hop, bien joué, bien joué. Alors c'est un bon deck, hein. C'est un bon deck, mais malheureusement pour moi c'est un bon deck qui est pas adapté à la méta actuelle. Alors je sais qu'il y a certaines personnes qui vont me dire, ouais moi je performe avec, machin. En fait c'est un bon deck quand vos adversaires ils vont jouer des grosses créatures. Alors c'est le cas du druide, le druide joue des grosses créatures. Le problème c'est qu'il joue pas des grosses créatures par une, tu vois. Il joue des... Enfin au début si, c'est vrai qu'au début avec ses T8 et tout ça peut être fort. Si tu fais un assommé sur les T8 ça peut être fort. Mais là en l'occurrence j'ai eu des T8 de merde, donc même s'il me les avait assommés ça aurait pas changé grand chose. Mais pour le coup, la classe du diable. Ah c'était quelqu'un de la chaîne, j'ai pas fait gaffe. Mais pour le coup... comment dire. Mais pour le coup, voilà, s'il n'y a pas des paladins Libram avec des grosses 8-8 avec des Libram, c'est quand même beaucoup plus faible. Hein. Franchement, c'est beaucoup, beaucoup plus faible. Un petit chaman. Chaman, chaman. Vas-y, mon pote. Ouais, j'aime bien ça. Alors, El Famoso, T1, Luxuriance, je vous conseille vraiment pas, d'accord. T2 si vous voulez, mais pas T1. T1, c'est pas halal, c'est pas bien. Innervation, vous gardez pas, hein, vous gardez floraison de foudre. Pourquoi innervation, on le garde pas en main de départ, même si c'est une accélération? Parce que, en fait, bon, quelquefois vous allez le garder si vous avez vraiment un combo de malade. Voilà, mon dieu, combo de fou. Tu vois, voilà, là tu vas le garder. Mais globalement, innervation. Ici, il y avait un monde où je faisais ça, mais j'ai pas envie. J'ai envie de m'accélérer tout de suite, avoir des possibilités. Bon, il fait sa meilleure sortie, vous le savez, greffé dans la main des chamans, bien sûr. C'est un classique. Ici, on va s'accélérer tout de suite. Comme ça, on a payé notre surcharge. C'est un peu cher, mais comme ça, c'est fait, tu vois. Et derrière, on peut setup étude. Et on pourrait même faire fortune tout de suite, je pense. Je pense que c'est le plus intéressant. Parce que, comme vous le savez, il y a une grosse contre-synergie entre étude naturelle et éclipse lunaire, d'accord. Donc, c'est vraiment ce qui va déterminer. Il fait vraiment sa meilleure sortie, fichier. Protection scénarienne, c'est une bonne nouvelle. On va piocher à bas. On défausse rien, putain, allez, dedans. Bon, vous me direz, il n'y a qu'une seule créature, mais vous me connaissez. Moi et la RNG, ça fait deux. Allez, stop ta sortie de fou, là. Stop-toi, mec, sérieux. Pff, on était 3, il me reste 15 PV, quoi. Oh, il fatigue, les putains de je sais plus quoi, de chaman de merde, là.
Il fatigue à mort, bordel. Donne-moi le sort, là, pour le tuer, ce con. Ouais, super. Ça, je suis bien. Nickel. Vraiment, c'est parfait. Bah, c'est parfait. J'ai perdu. J'ai perdu, du coup. Voilà, T3. Nickel. Bon, on va tenir quand même. Enfin, on va pas tenir. On va certainement mourir comme des merdes. Mais il est 4 off. Ça veut dire que s'il a une arme, on est mort. S'il a... il peut pas la 6-5, hein, il lui manque un de mana, parce qu'il m'a tellement défoncé le fion. Il lui manque un de mana. Il est 4 off, s'il a un LM, il est 3 off. Ça va être très dur, les gars. Hein. Ça va être très très dur, là. Quand je vous dis que c'est greffé dans leurs mains, quand je vous dis que cette carte-là n'a pas un drop rate normal en main de départ, moi j'en suis persuadé. Il y a des cartes comme ça dans Hearthstone, il y a celle-là et celle du mage, là, le sort à 2. Vous me ferez pas croire que c'est un drop rate normal. Quand vous affrontez les mecs, en vrai, une fois sur deux, ils les ont. En termes de chance, c'est moins qu'une fois sur deux, ils doivent pas les avoir autant, c'est pas possible. Ok, bon, elle a eu une merde, c'est déjà ça. Eclipse, qui est pas mal. Alors ici, bon, c'est... pas trop dégueu. Enfin, si, c'est dégueu, mais... au moins, on tue ça, quoi. Ah, mais par contre, il peut tuer ma 8-8 direct. Merde. Oh, non, putain, quel enfer. Ah, c'est pas si mal, ça, pour le coup. Ah, c'est pas si mal, là, je vais pas me plaindre. Ça va être dur, ça va être dur, parce que là, on a pris tellement chéro, là. Il va mettre ça là-dedans, il va se faire plaisir, là. Il va goûter à notre rectum, je pense. Allez, vas-y, petit salaud. Au moins, ça nous casse pas la gueule, hein, c'est ce qu'il faut se dire. Et au moins, on a eu une charge, quoi, donc bon. On peut pas trop se plaindre, on va dire. Mais c'est quand même dur de prendre ça. Il m'a tellement... mais en fait, il m'a tellement aggro. Regardez, comment vous voulez comeback d'un truc pareil, quoi. Comment vous voulez comeback. On va essayer d'avoir le sort à 2 pour blaster. Yes, magnifique. Hop, on y va. Et on le diminue. Après, j'ai plus d'armure, hein. J'ai plus rien, après. Bon. Ah oui. Ah non, c'est pas le taunt. Merde. Il est fort, celui-là, mais c'est pas le taunt. Là, il me fallait le taunt. Après, j'ai germination, mais lui, il a des chips. Eh oui. Ah ouais. Ajoute un élémentaire aléatoire. Mon crick. Allez, germination, il a pas le chip. Allez, j'y crois. Putain, je suis pas loin, hein. Il manque un tout petit peu d'armure. Si j'avais eu une éclipse avec, on aurait été bien. On part sur un juste cooks. Ouais, c'est ce qui permet de piocher le moins cher. Ça, c'est bien, ça peut servir à se défendre. Eh bien, il est temps! Pétasse! Il est temps, bordel! Merde! Après, il a peut-être pas l'étal. Non, il va me buter, hein! Il va me buter, hein! Il a 8, hein! Il va tellement fort me tuer, ce con! Il a 8, un LM. Après, c'est pas dit, hein! Tu pourrais peut-être tuer la 3-4 pour être sûr. Ah. Alors, je pourrais aussi bien mettre âme de la forêt, mais ici, je pense que c'est faiblard. Ouais, quoique. On va quand même mettre âme de la forêt. Et derrière, j'ai l'étal ou pas? Si je pioche reboisement. Ah, faut que je le pioche aussi. Faut que je le pioche. Ouais, si je pioche reboisement, j'ai l'étal. Je peux pas, je peux même pas taper face, là. Il est 5 off sur son T7, il va me défoncer. On va tuer ça, espérer que ça tienne. Derrière, si on pioche reboisement, on peut faire éclipse solaire et double reboisement. Et peut-être voler la game comme ça, ça serait sympa. Ha. Alors ici, pourquoi on a été en galère? Parce que, bon, il a fait une sortie de ouf. Hein. T3, il m'avait mis à 15 PV, bon, c'est normal. C'est normal qu'on galère un peu. Mais... on est surtout en galère parce qu'on n'a pas pu faire une éclipse solaire avec double T8. Je pense que si on avait fait un double T8 ou si j'avais eu un taunt là-dessus, un taunt d'agonie comme Tyrion Fordring, comme ce que mes adversaires ont tout le temps, j'ai même eu un bâtard de druide qui me l'a fait deux fois dans une game, ça m'a rendu fou. Ça m'a rendu fou. Le mec T2, il me fait... et je vous jure, c'est vrai. T2, en plus je jouais démoniste, donc tu vois, je jouais démoniste défausse, bah c'était hier soir. Et le mec T2, il m'a fait... truc le soir à 8, tu vois. Il a eu Tyrion Fordring sur le T2, j'en pouvais plus, j'étais en transpiration. Évidemment, son meilleur chip vieillit en fût de chaîne. Le petit sort en vieillit en fût de chaîne également. Allez, je le bute. Allez, vas-y. Reboisement. Mais non, c'est de la merde. J'ai pas l'étal, 12. Non, pas du tout. Pff, putain. Oh, on est turbo dans la crotte. C'est turbo-crotte. Luxuriance. Germination. Oh non. Non, est-ce que je dois tout contrôler là? Oh non, hein. 3, 2, 1. Oh là là. Grosse prostitution, putain. On tient le coup. On lâche pas. Je vais me battre jusqu'au bout, mec. Tu la veux, ta win? Bah tu vas devoir te battre.
Sale chien. Je te méprise. Et en plus là, il a eu l'arme, non? Non, il a pas eu l'arme, c'est pas celui de l'arme, hein. C'est celui qui donne un élément aléatoire, non? Ouais. On tient le coup. Il est 6 off, il a que 3 cartes en main. 6 off, allez, allez, il faut piocher là. Prochain tour, on fait ça. x2, le reboisement et ça passe encore. La vie de ma mère, ça passe. C'est ça, hein, 2-2-2? Ouais, ça passe, hein. 2-2-5, ouais. Non, 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 non. Il faut pas qu'il ait son sort à 4 aussi, hein. Il y a tellement peu de chances que je gagne. Il va me faire son meilleur sort à 4 face, bâtard. Non, non, oui. Il va clean du coup. Petite chatte à mort. Petite chatte, va. Petite baltringue. Petite baltringue. Est-ce que ça suffit? Non, ça suffit pas, hein. Merde. Merde. Et je peux pas faire ça et ça. Merde. Ah, c'est la merde, les gars. Je crois que je fais ça. Attends, je peux faire ça là-bas ou pas? C'est pas spécialement intéressant, hein. Ça sert à rien. Ok. Je crois que je vais faire un HP de la lâcheté, tu vois. Je vais trade. Je vais trade comme une petite chienne, c'est sûr. Je vais trade comme une petite baltringue. Ça va les animations, c'est pas trop long. Tranquille, vous êtes en vacances, ça se passe comment? Je vais trade comme une petite chouin. Oh, si je gagne, c'est de toute beauté. Oh, le joueur belge qui mérite de gagner. Le joueur belge qui mérite, là, 7 PV. Alors, qu'est-ce que t'as dans ton grand chapeau? Allez, il a l'air chaud, il a l'air chaud, c'est pas bon signe. Ah, l'enculé, il l'a. Oh, oh, il joue à l'extraza. Oh non. Oh non, vraiment. Oh, eu deux gouttes, eu deux gouttes. Dame Anaconda, ouais, ça c'est le genre de défaut de ce genre de deck. Dame Anaconda qui dort dans le fond du deck. Ah, ça, évidemment, si vous avez pas Dame Anaconda, le deck est moins fort, hein, clairement. On sent la diff. Bon. Merde. Bon, il a bien joué, GG à lui. Ok, on y retourne. Espérons un petit peu plus de succès. Là, en vrai, il faut pas s'en vouloir. C'est juste qu'il a fait une sortie terrible. Le mec, il a vraiment tout eu. Je vous dis, 3 PV. J'ai failli gagner, hein. 3 si j'avais pioché reboisement, je gagnais. 3 PV sur le... 15 PV, il me restait sur le T3. Bon, c'est normal qu'on soit en galère, quoi. Clairement, bon, on va pas se mentir. Alors, étude avec floraison, j'aime pas du tout. Mais là, on est un peu obligé. La dispute. Bon, c'est un guerrier. C'est un des pires match-up, malheureusement. Après, on peut lui faire un coup de reboisement, hein, on peut lui faire un coup de nuée. On a cette petite nourriche qui est un peu loin, faut de trouver une accélération là-dessus. Ah, voilà qui est bien, pour le T3. Bah, vas-y, hein. Bah, quand la vie te donne des citrons, on fait de la limonade. C'est ça, voilà, excellente, excellente 1-3, excellent choix. Ici, réfléchissons bien, si je m'accélère, que je fais ça, donc ça passe à 4, je fais ça... Je monte donc à 4 de mana, à 5 de mana, 2 de surcharge, je coigne le deuxième. Ok, on y va. Donc là, on aura 3 de mana, on va pouvoir coigne la deuxième luxuriance. Il va pas être content, hein. Je vous l'annonce, il va pas être content. Clairement, en plus, c'est un token, là, un, comment ça s'appelle, comme ça, baltringue, là. Oui, oui, non, ça c'est bien. J'allais dire, il fait son hasard en fin de tour, mais là, il a raison. Parce qu'il voulait curver, c'est très malin de sa part. Respect à l'adversaire, c'est toujours dans le respect, très important. Hop, on y va. Là, on va le respecter aussi. Après, c'est pas dit qu'on gagne, mais disons que ça sent bon. Sur le T3, il va prendre protection scénarienne. Ça va lui faire du bien à la bite, si vous voyez ce que je veux dire. On peut très bien faire un petit nourriche. Un petit nourriche un peu passif, j'en conviens. Un petit peu petite chatte, c'est vrai. Quitte pas, hein, quitte pas, parce que pour une fois, je vais gagner Android. Te barre pas la dispute, on se dispute pas. Elle est nulle celle-là, merde. Ah non, rune tac-tac, ça nique la fête. Alors, rune tac-tac, ça nique grave la fête, par contre. Merde, avec Dame Anaconda, on aurait été bien. Allez, c'est pas grave. On va piocher, ça a rien de brère. Let's go. On a une bourse. Faut pas tuer ça, évidemment, parce qu'il va les buffer avec une tac-tac. Je vais presque faire ça au prochain tour. Si j'avais eu... Ouais, si j'ai une accélération, je peux faire ça et ça au prochain tour, les gars. Mais je suis obligé de vider ça. Faut prendre un sort, là, si je peux. Putain, c'est de la merde. Oh, c'est nul. On peut prendre ça, c'est pas grave. Et on va faire ça, il nous faut le sort. Normalement, il n'y aura pas besoin. On va juste prendre l'innervation, il n'y a pas besoin de se surcharge. Là, on a combien? 1, 2, enfin lui, il se compte pas. Donc 1, 2, 3, 4, 5 sorts seulement, malheureusement. Après, ça suffit pour un reboisement. Hein.
Ça suffit pour un reboisement, mine de rien. Ah, il va être chiant avec ça, par contre. Là, il va me fracasser la gueule. Hein. Oh là là, il va se gaver, là. Merde. Il me faudrait double T8, Eclipse. Ah, bah là, c'est la bar mitzvah. Hein. Bah ouais, là, il est content. Hein. Ça, c'est la fête, hein. J'ai pas les Eclipses, c'est la fête au Runetag, c'est la fête aux saloperies. Ah, salopard. On y va comme ça, ça va un peu mettre l'ambiance, on va dire. Comment on va blast? Comment on va blaster? Est-ce qu'on blast Runetag? Je pense que ouais, hein, sinon il va être casse-couille. Alors là, il va être chiant, hein, là, il va nous faire du mal. Hein, il va suicider ça et ça, il va vraiment être casse-couille. Après, bon, c'est très dur à chercher. Sauf s'il a Samuro en main, bah voilà, s'il a Samuro en main, c'est la chatte. Et voilà, hein, c'est comme ça. Voilà, ça va m'énerver, je suis sûr qu'il a Samuro. Ça va m'énerver. Il a Samuro, voilà. Quel délice! Mais allez, mais putain, mais c'est pas possible! Mais allez, mais quelle blague! Mais quelle farce, ce jeu! Mais sérieusement! Mais allez, mais lol! Le mec, il a Samuro. Déjà, personne joue Samuro. Et en plus, lui, il a Samuro au moment où il a Runetag, tu vois. Samuro cadeau, en plus! Mais on me chie dessus! Mais qui prend ça contre un druide comme ça? Qui prend Samuro contre un druide protection scénarienne, putain? Ça me dégoûte! Voilà, t'es trop fort, mec! Ah, ça, c'est bien. Oh, je suis tellement... Oh, bon, la 5-9 fait bien plaisir, quand même, faut bien le reconnaître. Bon. Mais là, il est trop fort, hein, il a qu'à suicider ça, il buff la main, et là, je vous dis pas la gueule des 1-3 qui vont arriver, hein. Plus les rushs qu'il a déjà en main, qui sont buff comme jamais, vu que ça fait 4 fois qu'il tape avec ce con de Runetag. Oh, ça me dégoûte qu'il ait eu Samuro, bordel! Ah, mais ouais, Einstein, hein, comme ça, tu suicides ça? Ah non, t'aurais dû suicider ça, d'abord? Ah oui, d'accord, ok. C'est quand même un animal, cela dit. Parfait! Parfait! Bah, c'est nickel! C'est nickel! Hein? C'est nickel, parfait, voilà, hein? C'est nickel, vraiment, top, top, top. J'adore ce jeu, excellent jeu vidéo. Luxuriance, c'est nickel, j'ai tout ce qu'il faut. Nickel, avec ça, je suis rhabillé. Ah, ça me dégoûte! Après, là dans le cas-là, ça m'aide pas énormément avec ça, en fait. Il va gagner, tu sais. Tiens, il va gagner, hein. Bah, j'ai fait une belle sortie aussi, hein. Je peux pas trop me plaindre, hein, mais... Ah, ça me déprime, fieu. Ça me déprime. Ça me déprime. J'étais tellement parti pour le rect. Comme quoi, on peut faire une belle sortie et qu'en face, il y ait une encore meilleure sortie, hein. À mettre l'âme Samuro cadeau avec Runetag, hein. Y a rien à dire, hein. Avec le sort à deux qui buff. Enfin, là, il a été parfait, le mec. Bah, ouais. Pff. Vas-y. Vous pouvez quitter, là, vous calculez, vous pouvez quitter. Ici, il a 8 de dégâts. Rien que sur le board, ici, il y a 8 avec le buff de ça, plus ici, les quelques points qu'il y a là, plus les 1 qui partent dedans. Vous pouvez quitter. Bon, ça saoule. Oh, merde, hein. Allez, on s'en refait une dernière. On s'en refait une dernière, et bon, vous avez vu, comme quoi... Putain, c'est grave, franchement, c'est grave de perdre là-dessus. Bon, si on pouvait me faire un mec qui soit un tout petit peu plus lent, ça serait bien. Mais là, c'est là que vous voyez qu'en fait, ce genre de deck, c'est vraiment des decks de top 500 légende, tu vois. Ça se voit parce que, tu vois, dès que tu tombes contre des mecs un peu aggro, un peu rapide, bah, c'est mort, tu vois, tu te fais boxer, tu vois. Ça se voit, et c'est normal, et c'est normal. Après, il faut que t'aies de la chance, faut que t'aies Eclipse Solaire qui te donne des bons trucs, mais... Ouais, d'accord. Oh ok, on est parti pour une bonne game. On va encore avoir beaucoup de plaisir. Allez, donne-moi une accélération, s'il te plaît, sinon ça va être dur. Parfait, nickel, vraiment. À prendre paysagiste, hein. On va prendre paysagiste, on essaye de vivre. Je veux vivre. Pour ceux qui connaissent la référence. On va prendre paysagiste. Ok, mais bah, comme d'hab, hein, comme d'hab, hein, vous voyez, deux chamans, deux fois un 3, deux avec la petite 1-2 après. Allez, vas-y, fais-toi plaisir, bébé. Voilà, nickel, 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 on est sur le T1, c'est normal. C'est... Oh putain. Allez, c'est parti. C'est parti, comment je vais? Bah ça va pas trop, là. Je suis à... Somme toute bof bof, je vais pas te mentir, c'est merdique, hein, clairement. Non mais franchement, et après on vient me raconter que ça a le même drop rate, moi j'y crois pas, hein. Franchement je vais noter dans un calepin, je vais le faire, hein, je vous jure. Je vais le prouver, ça a pas le même drop rate que les autres cartes, c'est pas possible. Ils l'ont tout le temps, regarde-moi ce mongol qui avait pas compris, il avait pas compris, tu vois. Il vient de se dire, ah mais en fait j'avais le value trade. Insupportable, putain. Mais je peux pas le faire, bordel. Là, je calme un peu quand même, hein. Oh, c'est tellement la merde. On va faire ça sur le T4, on pourra faire ça sur le T... Attends. T4,
T'es 4, 5, 6, 7, non, on pourra pas... Oh, vas-y. Il va rien m'épargner, le mec, là. Là, il va rien m'épargner, quoi. Vraiment, il va tout avoir comme ça, toute la game. Ça se passe comment, les chamans, en ce moment? C'est pas trop dur de jouer chaman, là, ça va? Allez, on y va. Oh non, mais là, sérieux, merde, hein. Je le calme un petit peu, j'arrive à faire un truc, là. Je fais la bonne découverte, et on me fait ça, quoi. Je me fais écraser, quoi. Ah, et de nouveau, hein, regardez, on est sur le... Alors, T4, T4, il va me mettre à la moitié de mes PV, moins de la moitié de mes PV, d'ailleurs, beaucoup moins, même, un tiers de mes PV, en fait. D'accord, parfait. Petit LM Spell Power pour bien me finir la gueule, c'est nickel. Je cache pas que là, qu'une accélération serait bien. Ah, c'est du délire, c'est du délire, c'est du délire, c'est du délire, c'est du délire. Ah, cool. Bon, on a intérêt à avoir un rush. Oh merde, c'est pour ça que je joue pas druide, vous voyez, c'est pour ça que je joue pas druide et que j'aime pas, et que j'aime pas trop la classe, parce que moi quand je le joue j'ai des merdes, j'ai de la merde à tous les tours. Regarde, il a l'étale, aïe aïe aïe. Après je peux lui donner taunt. Ah mais là rien qu'avec ses sorts, il a peut-être l'étale, non? Non, ouais, ok, deux off quoi, okay. Je vais pas te mentir, ça va être chaud. Je vais pas te mentir, ça va être très chaud. Comment je fais? Je suis obligé de dupliquer, hein. Donc là, on va dupliquer et espérer qu'il n'ait pas de surface. Et comme ça, derrière, je mets l'armure et j'ai peut-être une chance. Tant vous dire que le play est poirax. Voilà, et vas-y, balance ton meilleur sort à un face. Allez, fais-toi plaisir, c'est maintenant. Voilà. Et il vient de le top deck, hein. Il vient de le top deck. Il vient de le top deck. Oh non! Non! Non, j'en peux plus! J'en peux plus! Bon, vous l'aurez compris, à l'instar de ce comparse, je pense que cette version-là, blague à part, sérieusement, bon, j'ai pas une RNG de ouf, c'est connu. Alors, moi, j'ai une RNG de ouf pour ouvrir les boosters. Quand il s'agit d'ouvrir des boosters, c'est un truc de fou. Vraiment, je suis là pour rigoler des fois en stream, j'achète 5 boosters, j'ai tout le temps une légendaire, c'est un truc de fou. J'ai vraiment une chatte de dingue. Par contre, ce qui est malheureux, c'est que moi, ça m'intéresse d'avoir de la chance sur le ladder, pas dans l'ouverture du booster. Malheureusement, c'est comme ça. Mais pour le coup, voilà. Ce deck-là. Le petit bilan, si j'ose dire, c'est que ce deck-là, pour moi, il est encore, si j'ose dire, encore moins bon que le druide jambre, d'accord? Le druide jambre, il y a quand même plus de moyens de défense, notamment avec ça, Jidra et tout. Vous avez Graines de Vie qui vous donne les chouettes. Vous avez quand même beaucoup, beaucoup plus de moyens de vous défendre. Ça sort beaucoup mieux. En vrai, l'autre deck-là, il fait des sorties affreuses, franchement. Et encore, hein, et encore, là, vous avez vu, on a eu quand même une paire de fois Luxuriance. Hein, et j'ai quand même perdu avec. Et j'ai quand même perdu alors que j'avais les Luxuriance. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de moyens de défense, tout simplement. Vous n'avez pas les 4-4 rush. Les 4-4 rush, elles se mettent très bien avec reboisement et tout. C'est très compliqué, le deck est très fort quand vous avez Dame Anaconda. Quand vous avez Dame Anaconda, c'est quasiment, vous gagnez à coup sûr en vrai, enfin, pas à coup sûr, mais vous gagnez vraiment très très souvent. Maintenant, si vous n'avez pas Dame Anaconda, c'est extrêmement dur. Et globalement, dans Hearthstone, les decks qui reposent, alors là, le deck repose pas entièrement sur Dame Anaconda, mais globalement, ce genre de deck avec une carte clé vraiment très très importante, en général, ça foire. En général, ça se joue très très mal, parce que vous avez tout le temps... Avant le T15, bon après vous allez piocher, mais avant le T15, vous avez à peu près une chance sur deux d'avoir Dame Anaconda si on exclut la pioche, naturellement, d'accord? C'est très compliqué de la garder en main de départ malgré tout. Alors vous pouvez la garder en main de départ, je vois déjà venir les Obi-Wan de service qui vont me dire « Ouais, tu peux la garder en main de départ !» Les coachings, tu vois, les coachs. Mais pour le coup, vous pouvez la garder en main de départ, mais contre un Hunt, c'est très très compliqué de garder Dame Anaconda en main de départ. Alors vous pouvez faire des moves, vous la mettez en body en espérant que le mec trade pas, il y a quelques petits trucs. Maintenant, je vais pas vous mentir, Dame Anaconda, c'est quand même ultra compliqué. Je vais vous donner un exemple, si vous la gardez en main de départ, elle va arriver sur votre T6, potentiellement votre T5, parce que vous aurez encore moins de chances d'avoir des accélérations puisque vous l'aurez gardé en main de départ. Vous la faites sur votre T5, T6, bah, le mec en face, le Hunt, il va vous mettre sa 7-6, donc le Rhino Forcer, il va la mettre dedans, il va juste la one-shot, il en a rien à foutre, tu vois. Et derrière, tu te retrouves avec un énorme body, t'as perdu ton T6 alors que t'aurais pu t'accélérer avec une Luxuriance ou quoi que ce soit. Donc c'est très très compliqué malgré tout. Voilà, moi globalement cette decklist là je vais vous la mettre, franchement notez la en decklist fun, d'accord, vous l'avez vu, c'est une decklist de top légende, encore une fois, c'est pas du tout une decklist pour moi qui est adaptée au ladder, absolument pas, au ladder classique c'est absolument pas adapté, vous allez vous faire marcher dessus comme vous avez pu le voir, dès que les mecs font une sortie un peu aggro vous perdez complètement pied, si vous voulez jouer druide, en vrai j'ai fait des tests, la version de jambre, je vous mettrai peut-être les deux en description si ça vous intéresse, la version de jambes, par contre, j'ai fait des tests. On est sur un bail de
J'ai fait 30 games, je crois, en streaming. On est sur un bail de 55-58%. Alors, c'est pas extraordinaire, hein. Clairement, c'est pas ouf. Notez qu'au début, je peux pas être sûr du winrate. À mon avis, c'est un peu plus. Ça doit être de l'ordre de 60, peut-être même 62 si vous le jouez bien. Ça marche bien, vraiment. Ça marche bien. C'est juste que j'ai eu un... Les mystères de la RNG, hein. J'ai eu, au début, j'ai énormément gagné, genre j'ai gagné 7-8 matchs d'affilée, et après, j'en ai gagné un sur deux, comme ça, puis à la fin, j'ai eu une session vraiment un peu dure, peut-être que je fatiguais un petit peu aussi, hein, après 5 heures de stream, et je commençais vraiment à perdre 2-3 matchs d'affilée, j'en gagnais un, j'en perdais 2-3, tu vois, à la fin, ça a été dur, ça a un peu miné le winrate, mais globalement, cette liste-là, elle tient le coup, ça marche, notamment pourquoi, parce que vous avez Écorce Sefer, vous avez Graines de Vie qui vous donne les chouettes ombreuses gratos, vous avez Écorce Jidra qui peut vous défendre, vous avez Rayon de la Tourbière. Notez dans la version de base, elle est comme ça, la version de base, je vais vous remontrer, cette version là c'est moi qui l'ai trafiqué un petit peu, la version de base est comme ceci, il y a deux rayons de la tourbière et un seul juste coup, d'accord, donc ça vous permet vraiment de vous défendre et vraiment d'aller en late game où vous faites des maligos. Une fois que vous avez posé maligos, vous savez qu'il va vider le deck, il va vous donner écorce fer gratuite, vous mettez écorce fer sur maligos et vous battez tous les DH, vous battez 90% des chamans, il faut qu'il ait le chip à ce moment là mais derrière vous faites protection scénarienne, il est dans la merde quand même. Protecteur c'est pareil, si vous le faites rapidement et que vous récupérez un bon T8, bah vous lui cassez la gueule. Alors les T8, je vous le redis, pour pouvoir vous situer en termes de RNG, vous avez plus d'une chance sur deux d'avoir un truc de ouf, ok? Un truc de ouf, pas un truc potable. Un truc de ouf, c'est plus d'une chance sur deux. On a regardé en streaming, on a fait les comptes parmi tous les T8 du jeu. Il y a plus d'un T8 sur deux qui défonce. Donc normalement, vous devez avoir des trucs de ouf. Ça vous permettra de vous situer sur la RNG. Moi, c'est rare, en vrai c'est rare que j'ai un truc de ouf. Alors les trucs de ouf c'est quoi? C'est la 8-8 du DH qui augmente de 2 le coût des sorts adverses. Vous avez également, je vais vous la montrer, attendez. Vous avez également, la vidéo va durer un peu longtemps, faut que je me dépêche. Donc vous avez Tourmenteur qui est ouf. Vous avez évidemment Inquisiteur Illidari qui marche très très bien en druide aussi, hein, avec le HP. Vous avez... où est-ce qu'elle est, la neutre, même si bon c'est pas toujours la meilleure à avoir, mais contre des decks contrôle, ça c'est super fort contre les decks contrôle. Ça en druide, ça peut donner des trucs débiles aussi, hein. Comme vous avez plein de sorts gratuits, vous pouvez vraiment faire un monstre de malade, vous pouvez quasiment one-shot votre adversaire avec ça. Donc c'est vraiment très très fort. Vous avez également en T8 de ouf, où est-ce qu'il est, le bon Tyrion Fordring. Alors Tyrion Fordring, moi il me tue à chaque fois. À chaque fois je prends des druides, ils me font ça, ils récupèrent Tyrion Fordring alors que je joue contrôle. Et le problème c'est que l'arme elle vous dégomme les dents, quoi. L'arme 5-3, c'est vraiment une purge. Bah c'est comme celle-là, hein, le Libram de Jugement. Rappelez-vous quand les paladins Libram ils jouaient ça, hein. Quand ils sortaient Libram de Jugement corrompu, franchement, si tu joues contrôle, tu trembles, hein. Tu trembles de ouf, hein. C'est que le mec, il est là pour te défoncer. Donc voilà, il y a quand même pas mal de T8, mais par contre, il y a des T8 de merde, comme celui-là, voilà. Bah, ça dépend, il y a deux T8 T5, un T8 7-5, qui sont notamment bien merdiques, il y a le T8 8-1, c'est vraiment les 4 pires. Voilà, à vous de voir comment vous situez sur la RNG. Pour le coup, mon mot final, ce serait plutôt jouer le druide de jambes. Je vous fais des immenses bisous, j'espère que cette vidéo un petit peu catastrophique en termes de winrate vous aura quand même plu, je vous montre le deck comme il est. Ce soir, exceptionnellement, on ne se retrouve pas en streaming parce que j'ai une petite sortie de prévue. On est en début de semaine, vous le savez, c'est les vacances, je m'autorise un petit peu plus de folie. Mais je reviens dès demain soir. En attendant, je vous fais des énormes bisous, merci d'avoir vu ma vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu si ça vous a plu, ça aide au référencement et ça me fait très plaisir. Merci à vous et ciao mes lascars. Like a dog without a bone.